Vas-y, essaie de m'attaquer. Vas-y, essaye. Ok, ta gueule. Et donc, je vais pas attirer l'alerte. Est-ce que c'est une mission foirée ou pas? Non, mais... Il est là, le monsieur. Il est là, il est pas... C'est pas le mur. Santa Maria, Anzuna, Anzunta, Marcé. Je dis de la merde. Bonjour. C'est moi, Nobu. Yeah. Pardon. J'aime bien faire lancer le couteau. Bon, vous n'avez plus qu'un, mais bon. Voici mon diplôme. Non, il est pas mort, lol. Vas-y, attaque-moi, 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 attaque-moi. Vas-y, attaque-moi. Vas-y, attaque-moi. Quand tu veux, hein. Ah bah. Et hop là, décapitation du bras. Et hop là, décapitation du cœur. Oui, j'ai détalé avec une cuillère. Avec une cuillère. Genre, je combats des ennemis en face de vous, vous voyez pas, en fait, c'est ça? Ouais, je combats avec mon petit poignard, ouais! Enfin, mon truc. Oh Mario! Non, Mario! Ton oncle est attaqué, il a besoin. Pas Mario. Va le trouver! Yeah! Arrête, ce voilà. Mon plan ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. On peut en tuer un? Ah si! Ah non, je peux en tuer un. Ok, mais ok, ta gueule, mais dis-moi où il est. Il est là-bas. Yeah! Non, mais. Il est là-bas, je veux quelque chose de fougère. Yeah! Logique de Ezio! C'est logique implacable, hein, c'est... cherchez pas. Oh la foutre, oui! Voilà, tu peux aller là-bas. Ah, il y a un truc là. Ça peut être utile de faire un point de l'aigle de suite. Ou tu sais rien, hein, mais. Ça peut être utile après, hein. Non, pas là, pas là. Ce côté-là. Ok, tu veux pas? Par là, tu veux? Merci. Tu veux pouvoir aller jusqu'au haut? Non, bah non, évidemment que non. Bande de sous-merde. Là-bas, ok. Tu peux pas faire des trucs, genre, des trucs pareils? Tous les murs? Non, bah non. Soyez au champ jusqu'au bout. Non, mais tu peux pas dire que tu peux y aller là. T'es une tapette, Ezio, t'es une tapette. Voilà. Synchronisation. Oui, parce que j'aime me synchroniser. J'aime. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, on va rien dire après, ce ne sera rien. Et oui. Ah, bonjour. Oh, un coffre. Bonjour, coffre. D'ailleurs, je trouve ça toujours con dans Assassin's Creed, des coffres en plein milieu d'une rue. C'est, je trouve ça complètement con. Oui, page de codex. Évite de m'apporter. Voici mon diplôme. Voici l'assassin. Voici mon diplôme. Je suis assassin. Voici mon diplôme. Eh, hey, mon diplôme. Mon diplôme. Ah ah, m'aurez pas. Mon jeu de jambes est sans égal. Voilà, ta gueule. Parce que tu me fais chier au bout d'un moment, hein. Et ta gueule. Oh, dans l'œil. Oh. Ça fait beaucoup, pas beaucoup de bien. Ah bah ça non. Et du coup, voilà une page du codex. On est obligé d'avoir à 100% celle-là. Donc ouais, je vous en montre quelques-unes et je ferai beaucoup en off. Beaucoup, beaucoup off. Et j'essaierai de varier un peu les plaisirs au niveau... au niveau de comment les avoir. Quelle triste époque que la nôtre. Nous n'avons que ce que nous méritons. Parce qu'on peut soit les distraire, soit les tuer. Et donc, creux le monde, mon jeu s'est brutalement arrêté. Je n'étais pas compris pourquoi. Et du coup, j'ai obligé de me retaper de la mission. Donc du coup, on se retrouve ici où Mario nous a dit d'aller buter l'autre. J'espère que ce jeu ne va pas planter une nouvelle fois.
Ça me ferait chier, un tout petit peu quand même. Hein. Ah, je t'adore déjà. Si tu me fais des frires comme ça, je vais t'adorer. Pour un peu que j'ai une mission que je déteste faire et je dois le refaire deux fois, ça va pas aller. Ah, direct, je te dis que ça va pas aller. Et puis, il y a le truc de l'aigle, on s'en fout, hein, du tout. Donc, ok. Donc, on va les aller directement là. Tout ça pour un chèque pour Rite, ok. Non, bonjour. C'est réglé. Vieri, vous resterez ici pour coordonner l'assaut des mercenaires. Bon, attendons, je vais boire. Hein. Francesco déploiera nos forces dans la cité et nous dira à quel moment nous pourrons... Si la bouteille lui vient sourire, salope. Je compte sur vous pour rassurer les citoyens quand ce sera terminé. Et ce soulard de Mario. Il continue de narguer nos soldats. Il finira par découvrir ce que nous préparons. Il a toujours posé problème. Tout comme son frère, ce bastardo. Dans ce cas, mon Dieu. Laissez-moi les réunir. Nous aurons tout le loisir d'éliminer ces misérables quand ce sera terminé. Bien. T'as l'air méchant, toi, quand même. C'est une autre chose. Oui, bien. Puisse le père de la sagesse vous guider. Oui, bien, non. Puisse le père de la sagesse vous guider. On dirait une secte, quoi. Comandante. Quoi? Mario Auditore est dans la cité. C'est vous qu'il cherche. Marc, si. Alors ne le faisons pas attendre. Oh, Marc, il est méchant. Marc, si. Bon, voilà, c'était le petit Vieri. Marc, si. Autant payer par quelques chemins, hein. Le voilà, arrêtez-le. Ta gueule. Voilà, toi aussi ta gueule. Voilà. Voilà. En fait, on peut en tuer deux sans l'animation de... Enfin, sans avoir de combat. Parce que le premier, il est subjugué par mon talent, donc il ne bronche pas. Donc ta gueule, toi. Comment je t'ai trop tué, quoi. J'ai pas fait exprès. Tu prépares quelque chose avec tes alliés. Et mon père avait tout découvert. C'est pour ça qu'il est mort. Ouais, c'est ça. Pauvre fou. Tu espérais peut-être une confession. Ouais, ce serait pas mal. Pezzo di merda. Pezzo di merda, Maxi. Plus douloureuse. Tu as le sort que tu mérites, tu m'entends? J'espère que tu... Arrête, Ezio. J'espère que tu arrêtes, Ezio. Du respect. Non, c'est pas ça. Après ce qu'il nous a fait. Et lui, vous croyez vraiment qu'il nous aurait traités avec plus d'égard? Tu n'es pas Vieri. N'agis pas comme lui. Oh, quelle sage décision. Quelle ferme psychologue. Apporte le repos auquel tu aspires. Requiescat in pace. Ou pas. Prends-la. Tu la liras plus tard. Jamais. La mission est terminée. Il faut rentrer à la villa. Ok. Et j'ai pas remis le chronomètre. Bah putain. Ces épisodes seront éternellement longs. Genre 45 minutes l'épisode, ça va être génial. Ça va être chiant encodé en plus. Oui, je râle. Je m'en fous, je râle, oui. Et je fais la toupie, et je fais la toupie. C'est quand vous voulez pour arrêter, hein. Voilà, merci. On sait ce qu'on a acquis quand même au bout d'un moment, hein. On est au courant, hein. Voilà, voilà. Ouh, et ben cette session commence bien. Enfin, elle commence. J'en suis à 20 minutes dans mon chronomètre, je suppose que je suis à 35 minutes. Ou pas, j'en sais rien. Ah là 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 là. Quel est ceci, quel est ceci, c'est l'esprit. Ou pas. C'est le premier souci que j'ai eu, alors bon, ça va. J'ai pas commencé à me plaindre. Bon, allez. On va courir là-bas, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Oui. J'avais plus de souffle. Bon. Allons la villa, Mac, ici. Sinon, tu peux m'approcher directement dans la villa, non? Les amis, prenez le temps de regarder. Au lieu de faire un petit bout de chemin, tout ça, c'est déjà qui est chiant, hein. On est gonné. En plus, à chaque fois, on doit faire... Ah non, on doit aller là. Ok. Un peu, je t'en pu faire aller directement, hein. Voilà. Il est de retour. Notre campione, Ezio. Campione, champion, champion français. Hein. Pour fêter la victoire. Pourquoi attendre? Nous te devons vraiment une fière chandelle, Ezio. Je préfère un trésor en fait qu'une chandelle en fait. La Toscane va enfin renouer avec la paix.
Comprends-tu ce que ça signifie? Fini les sales besognes. Ah, enfin, on va pouvoir boire jusqu'à plus soif. À nous, les femmes. Eh, c'est vrai. Ok. Ezio, marchons. Mon oncle? J'ai pas envie de marcher, j'ai envie de jouer. Allez vous faire foutre avec vos trucs de merde. Oui, j'accepte. T'as le choix. Les pattes obéissent à un homme. Un espagnol. Ouh, l'espagnol. Rodrigo Borgia. Ouh, un Borgia. Le plus puissant d'Europe. Et c'est aussi le chef de l'ordre des Templiers. Ne marche pas bizarrement. Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères. Parlons en marchant et... bizarrement, oui. Et j'aime bien ça. Toi aussi, s'il en a l'occasion. Là, 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 là. Alors là. Je vais devoir le combattre si je veux rester libre. J'ai un dos auto-télescopique. Goûter à ma lame. Et... tous ceux qui figurent sur la liste. Et maintenant, où vas-tu aller? À Florence. Francesco de Pazzi va bientôt rejoindre son fils. Ma qu'est-ce que c'est? C'est un choix judicieux. Il a de sombres projets pour la cité. Comme ta mère! LOL! Bien. Assez discuté pour ce soir. Je te lol autour de toi! LOL! Je devrais lire la lettre que mon oncle m'a confiée. Chier. Messer Francesco. J'ai agi selon vos... Ouais, non, ah non, ça va être trop long, hein. Avec votre vous lisez que, quand vous pouvez, puis voilà. Vous avez raison sur l'essentiel. Oh, parce que si il faut lire tout, zut, quoi. Mettre quelques réserves. Fra Giacorno. Giacorno, ouais, ta gueule, on l'a lu, voilà. Content? Merci. On se casse. Je sais pas, mais ça dure une demi-heure à lire une lettre, hein, ça va. Tu vas qu'on perd assez de temps comme ça avec les bugs et avec lui qui veut pas rentrer dans les portes, là. Nyeh. Bref. Buongiorno. Buongiorno. Ma che passa? Tu les reconnais? Ma che non? Autre page du codex. Oui, oui. Ma che si. Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes avant de... Bah avant de se faire tuer? Ceci n'est pas l'œuvre de ton père. Quelqu'un d'autre l'a déchiffré. Ouais, t'as que... Leonardo da Vinci, un ami. Oh, ma che si. Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte? Non. Tout cela cache quelque chose. On dirait une carte. Mais où cela nous mène-t-il? Mon père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages. Elle a été rédigée par un autre assassin qui détenait autrefois un fragment d'Éden. Il s'appelait Altaïr. Oh mon Dieu! Il évoque quelque chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui. Altaïr! Quoi donc? Bonne question. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Altaïr, pour ceux qui ne savent pas, c'est le héros du premier jeu. Laissez-moi vous aider. Qui se passait en Orient, je crois. La relève de mon père. Pays arabe, tout ça. Jusqu'au bout. Je crois, je suis pas sûr. Commençons avec la page que j'ai prise à Vieille. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Leonardo la décodera pour nous. Je sais qu'il est bien buggé, le jeu. Je m'en rappelle bien. C'est bien drôle. Sur le mur. Et chiant, surtout. Très chiant, ce jeu. Très chiant. Non, mais pour l'observation, j'ai déjà fait, en fait. Sans déconner. On est obligé de se refaire? Ah, ça, ok. Ok, donc évidemment, on peut y aller par là, hein? Par là? Oui! Et j'ai obligé de refaire pour l'observation, sérieux? Non, vous déconnez. Vous déconnez. J'ai fait ça sans... Non. Non, c'est sérieux, non. Non! Là, je me mets un petit peu quand même, hein. Là, oui, hein, tout petit peu. Ah, bon, on va aller par là. Non, mais j'y... S'il te plaît, arrête de faire chier, hein. Voilà. Voilà. Je me hais d'être comme ça, je me hais. Allez, s'il te plaît, tu vas en haut. Non, oui. Sinon, tu peux décaler tout seul, hein. T'es pas obligé que je le fasse moi-même, hein. Au bout d'un moment, voilà, quoi. Voilà. Donc, on va y aller doucement, voilà. Donc, on va refaire... Oh là là, c'est beau, là 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 là. Oh, si, si. On s'en fout, on a déjà fait. Oui, parce qu'on peut faire ça autant qu'on veut, hein. Là, par exemple, je peux refaire. Par exemple, hein. Avec la musique, il ne redémarre pas, par contre. Vous remarquerez. Mais si je refais une troisième fois, par contre, la musique redémarre. Écoutez ça. Musique qui redémarre. C'est malin, hein. Si j'ai fait une quatrième fois, la musique ne redémarre pas, cette fois. Vous ne le saviez pas, hein. Sauf que j'en ferai pas, ça va, on a compris, hein.
Genre, je trouvais des pages du codex au plein milieu de la ville, comme ça. En mode lol. Elle est où cette pute? Ah, d'accord. J'étais dessus. Vas-y. Ok, des pages du codex en mode lol au plein milieu du truc. C'est normal. Pour vous, tout est normal là. Ubisoft, ouh! Logique! Où are you? Où are you? Comme ta mère est popopo! Bon. Faut que je me calme, hein. Faut que je me calme. C'est pas comme ça que je vois des nouveaux abonnés, moi. C'est pas comme ça du tout. Il y en a un autre qui parle? Ah oui, il y en a un autre. Tu me regardes avec tant d'admiration? Regarde, j'ai fait caca sur les patients. Bon, ok. Je déconne, hein. Je suis un écran de jeu vidéo, je n'ai pas fait caca. À part sur des Sims, mais je suis pas un Sims. Ah, c'était pas une page de connais que j'ai trouvé avant? D'accord. Faudrait que j'apprenne à lire ce qui est marqué aussi, hein, des fois. Des fois, ça pourrait servir. Page du codex, non, ça, c'est le début. Ah, page du codex là-bas. Une page du codex en plein milieu. Non. En haut. Marc, c'est une plume, Marc, on s'en fout. Là, ici. Descends. Tout descend. Tout descend. Voilà, merci. Les gens, personne n'a pensé à prendre un coffre qui était au milieu du chemin, non. En tout cas, c'est dans un cul-de-sac, mais. Genre, y'a personne qui y va, genre. En plus, elles sont indiquées sur la carte. Mario, il aurait très bien pu les prendre, des pages du codex, quand même, hein. Faites attention. On dit qu'il y a un peu de foutage de gueule là-dedans, hein. Bon, il y a pas joli. On peut l'avoir ici. Oui, bah elle est là-bas. Oui. Tu peux très bien la chercher dans la ville, moi. Je suis timide avec ta mère, si tu veux, mais pas avec toi, monsieur. Monsieur, j'ai des grandes mains. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Allez, go, Robert, go, Robert, Bon, j'espère que c'est là-bas. Il s'est prêché que ce soit pas là-bas. Ouais, tu veux pas aller là, connard. Bon. Ah, bah j'y collecte par là. Non, je crois qu'il faisait un truc, genre... Voilà, il dérape. Robert, il dérape. Enfin, je trouve des jeux de mots à faire avec U. Je sais pas quoi. Oh, ouais, cool. Changement de programme. Allez voir Claudia. Marcy. Allez, repère U. Mais dis que ça a à dire, là. Chut. Voilà. Bande de cheval. J'aime pas la caméra quand elle est sur cheval, elle est complètement what the fuck. Et là, oh non, je suis qui dérape. Allez, dérape. Ah mais lol, tu fais chier. Voilà. Merci Robert. Tu as bien dérapé. Mais donc on peut pas aller dans la ville avec le cheval. C'est chiant. Je trouve ça complètement chiant, mais c'est pas grave. Alors que dans Brotherhood, on peut y aller, hein. C'est dégueulasse. Oui, je trouve ça dégueulasse. Ça va. Oui, alors c'est début, il y a beaucoup d'allers-retours. On va avoir beaucoup de choses qui... On s'en fout, hein. Voilà. Faut dire qu'on s'en fout pas, c'est le jeu, là. Mais bon. Salute, Claudia. Il manque que je puisse jouer. C'est scandaleux. Non, mais ça va, oui. Il me fait trop travailler.
Si Père était là, je ne passerais pas mes journées derrière un bureau. Non, tu lui passerais dessous. Pourquoi Mario a décidé de faire de toi son esclave? Vu que quelqu'un a décidé que nous allions rester ici, oncle Mario a pensé que nous devions tout le l'argent pour rénover la villa. Seulement voilà, il n'y en a pas. Moi, je suis sûr que je pourrais en trouver. Parfait, plus de travail pour moi. Ouais, benissimo. Si tu trouves de l'argent pour remettre la ville en état, je tiendrai les comptes dans ce livre. Et vu que je n'ai rien mieux à faire, je pense que je vais également consigner tous les objets que tu apporteras de l'extérieur. Ouais. Si tu parviens à faire revivre cette ville, les voyageurs viendront y dépenser leur argent, même si je doute qu'ils s'aventurent dans un endroit aussi reculé. Mais si jamais ça arrivait, je placerai l'argent dans ce coffre. Tu devras passer me voir régulièrement et apporter l'argent à la banque. Et quand le coffre se remplira, tout ce qui t'en trouve finira dans ma poche. Capito? Compris. Salope. Ah non, mais j'ai rien dit. Donc voilà ce que je vous disais, en fait, on peut tout améliorer, en fait. Par exemple, une banque. Attends. Une maison de passe. On peut pas la prendre, la maison de passe. Non. On peut pas améliorer, là. On peut rien faire, d'accord. C'est pas grave. On peut juste voir ce qu'il y a. Ok. Allez, vos gueules. Voilà. On s'en fout. D'accord. Faut pas l'architecte. Architecte. Buongiorno. Est-ce que tout va bien, non? Père Mario m'a engagé pour tout remettre en état. Mais je suis un architecte, pas un faiseur de miracles. Sans argent, je ne peux pas... Maquiller l'argent, Maquessi. Si vous aviez un peu plus d'argent? Mais alors, tout deviendrait possible. Vous devez être Ser Ezio. Je me trompe? Mac, non, il regarde dans les yeux quand tu parles. Cet architecte me plaît beaucoup. Il devient plus inventif dès qu'il sent l'odeur de l'argent. Il m'en faudra si vous voulez que cette ville prospère. D'où il parle? Il arrive des rénovations et des constructions des shops. Apportez-moi de l'or, faites votre choix et je me mettrai au travail. Chef, si vous construisez une échoppe, vous pourrez y acheter des marchandises à des tarifs plus avantageux. C'est ça. Plus vous investirez d'argent, plus les rabais accordés seront importants. Quant aux rénovations, eh bien, vous aurez la satisfaction d'avoir fait renaître cette ville. D'après Ser Mario, c'est ce que votre arrière-arrière-grand-père aurait voulu. On s'en fout du vieux, il est mort. Que vous choisissiez de construire ou de rénover, vous attirerez un nombre plus important de visiteurs. On s'en fout, on peut faire. Revenu augmentera. Alors, êtes-vous intéressé? Oui, allez. Pas chier non plus. Donc voilà, c'est là où on peut améliorer tout ce qu'il faut. Donc... Par exemple, forgeron, médecin, tailleur. Oh, un tailleur. Oui, je sais que c'est pas un tailleur de pipe, je sais, ça va. C'est pour les vêtements, tout ça, pour qu'on soit plus stylé, voilà. Une maison de pute. Oui. Ça fait toujours des clients en plus. Je vous assure. Voilà. Et un bar de pute, hein. je suppose que j'ai plus assez pour rien. Une banque pour monter constamment la valeur de la cité. Vas-y, améliore. De toute façon, faut améliorer, comme ça on aura des sous à chaque fois qu'on passera ici. Donc faut tout améliorer à fond, puis c'est cool. Voilà, 1000, voilà. Voilà, rénover. Voilà. De toute façon, je vais pas acheter d'armes tout de suite, ça sert à rien. Une caserne. 3000, je peux pas, on s'en fout. Bon voyage. Oh, ouais, cool. Donc voilà, elle les améliore, là, genre, ça se fait automatiquement. Et on va voir, du coup, le marchand d'armes. Parce que, ouais, en fait, j'ai envie du... Ah, faut aller parler à Mario, oh, fuck. Ils font chier. Ils font chier avec ces allers-retours de merde. Mais bon, qu'on puisse jouer, quoi, assassiner des trucs, là. Je suis pas... Je dois pas faire un SimCity, là, hein. Puis j'aime pas le SimCity, c'est pourri. Bonjour. Tu brilles un peu quand même, hein. Il est grand temps que je te montre quelque chose. Non, 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 pas les souvenirs d'enfance. Pas ta bite. Non, je ne fais pas ça. Ah, c'est pas ça. C'est confondre avec quelqu'un d'autre. On peut y aller? Allez hop. Tu me suis? Ouais. Allez vite. Et parce que là, on va voir quelque chose de bien. Oh. Ma, qu'est-ce que c'est tout ça? Bon, tu viens ou pas? Non, faut aller là-bas. Tu peux venir vers moi, connard, hein. Voici la crypte.
Elle a été bâtie par mon arrière-grand-père pour honorer la mémoire des assassins et protéger leurs secrets. Regarde autour de toi. Je regarde autour de moi. Ici, je vous jure. Pour défendre la liberté, chaque fois qu'elle était menacée. Et voici l'armure d'Altaïr. Nous savons peu de choses sur sa vie. Mais ce qui est sûr, c'est que son armure est légère et très résistante. Je te la donnerai bien, mais je ne sais pas comment faire. Mon arrière-grand-père m'a dit qu'elle resterait inaccessible tant que ses protecteurs n'auraient pas retrouvé leur plénitude. C'est pas très bien. De crypte qui se trouverait un peu partout en Italie. Et de tombeaux remplis de trésors où les 6 assassins auraient été déplacés il y a des siècles. Qui sait, il y a peut-être un rapport. Quand j'étais plus jeune, j'ai moi-même tenté de retrouver ces assassins. Je trouve ça ridicule. Mais je n'y suis pas parvenu. Tu auras peut-être plus de chance. Le mec qui penche sérieusement de son. D'Altaïr et tout. Récupérer un mur, on va dire foutre Rebecca. Et alors, il fait un toupie. Il fait un toupie pendant que l'on c'est pas d'Altaïr et tout. Je trouve ça juste génial. Merci d'avoir fait en sorte qu'on puisse bouger pendant les cinématiques. Ou pendant les conversations au moins, quoi. Bon. On s'en fout du microdex, on s'en fout de vous. Est-ce qu'il y aurait pas des sous par hasard? D'accord. Ouais, ça fout. Hop. Non, l'architecte, non, je t'ai déjà assez parlé, je crois. Je t'ai déjà assez donné d'or, je crois, hein. Ça va. Hein. Merci bien. Allez hop. Non, je parle à ta mère. Lol. Et hop. Et oui. Hop là. Est-ce que t'aurais pas une arme un peu plus meilleure, toi? Ou une armure? Ouais, non, pas envie. J'ai pas envie, j'ai envie d'une arme. Marteau de mercenaire. Oh. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau, ça je prends ça. Oh, ça oui. En fait, c'est presque moche, mais c'est beau. C'est bien. Ça fait ouais. Plaisir, signor. Je dis de la merde. D'accord. Quand ta mère aura tes dents, lol. Vous avez besoin de... Voilà. Prendre quelques potions, hein. Je peux pas, je suis à fond. Ok, je vais faire foutre. Allez hop. On s'en fout, ce bar. On va prendre des chevals. Allez, Robert, à toi de jouer. Oui. Peut-être enfin pour faire une mission d'assassinat, peut-être, au bout d'un moment. Non, je dis ça, je dis rien, mais je dis rien. Hein. Allez hop. C'est bon, on retourne au point de où on était. Dans la ville d'avant. Bon, je sais pas. Oh. Caméra qui bug, ou bah. Vers Florencia, ma que si. Tu es sûr qu'on va parler à Leonardo da Vinci, ma que si. Et moi j'ai fait la toupie. Appuyez sur pause pour accéder au menu. D'accord. Appuyez sur commande pour savoir comment faire la commande. Ok, c'est quoi tu... Bon. J'arrête de me plaindre, merci, sympa. Bien sûr, la ville se construit, hein. La ville n'existe pas si on n'est pas là. C'est normal. On a plus que Florentine. Mais 478. Marque ici. C'est il n'y a pas si longtemps, en fait, hein. Tu es sans ans? C'est pas si loin. C'est pas si loin que ça, ça va, hein. Y a pire. Ah, d'accord, on est directement devant. Ouais. Ça va, on n'a pas... on a pas à faire tout le chemin pour aller jusqu'à là, c'est bien. J'ai pas mal. Oh, Leonardo. Tu es toujours en vie? Non, je suis mort. Regardez-moi ça. Tu as prospéré ces deux dernières années. Et toi, tu as beaucoup changé, on dirait. Je suis venu solliciter ton aide, si pas, tu veux. Pas tant que ça. Cela va sans dire, mon ami. Tu en as trouvé une autre. Très intéressant. Ouais. Celle-ci est bien plus difficile à déchiffrer. Tout à fait. Les langues anciennes, c'est vraiment très astucieux. Peut-être qu'il suffirait de... Oh. Oh, je vois. Il trouve ça directement, cela ça, c'est bien. À s'y méprendre à une sorte d'inventaire de différentes techniques d'assassinat. Oh, je peux voir. Je veux savoir. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Cette fois, ce ne sont pas des plans, mais une série de croquis.
À quoi peuvent-ils servir? Bah dis-moi, c'est toi le pro. Bien sûr, c'est évident. En voilà une idée de génie. Est-ce que tu pourrais le fabriquer pendant que j'essaie ce qui est indiqué ici? Voilà. Mon assistant va installer quelques mannequins pour que tu puisses t'exercer. Hé, Vincenzo! Ouais, Vincenzo. Vincente Zarazu, je sais pas. Donc, quelques techniques pour assassiner plus cordialement Makesi. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme type d'assassinat? D'accord, ok. Ouh, j'ai gagné un carré de santé, oui! On dirait à Longange, mais c'est pas grave. Donc, type d'assassinat numéro 1? Assassiner dans les roseaux! Ou dans les fougères, c'est bien dans les fougères. Makesi. Deuxième type d'assassinat, l'assassinat par le haut. Genre, je suis un aigle. Eagles, oui. Assassinat numéro 3, l'assassinat par le bas. L'assassinat dit de la taupe. Une taupe assassinat, genre, et oui. L'assassinat taupe. Makesi. Voilà. On a fini. Est-ce que t'as fait mon arme? S'il te plaît. Une arme, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci. J'ai réussi. Viens vite. Non, c'est trop invisible ou quoi? C'est quoi que t'as fait? Et c'est le. Merci, Leonardo. Il n'y a pas de quoi. Makesi, quoi? Avant de partir, je dois voir une connaissance. Mais je ne peux pas l'approcher en public. Tu aurais une idée? La volpe. Le renard? Oh! Je comprends. Mais sais-tu où est la tanière de la volpe, Makesi? Eh bien, près du mercato, où vivent les voleurs. Du mercato. Sois prudent. Oh, on est déjà 43 minutes. Oh mon dieu. Je sens qu'on va aller voir la volpe quand on va se terminer là. Je crois bien. Et donc, c'est quoi ce que j'ai eu en fait comme truc? Il m'a dit, oh, c'est trop intéressant, ouais, vas-y, je te fais ça. Et t'as fait quoi, connard? S'il te plaît, Leonardo, je te hais, merci. Bon. Et bon, on va voir la Volpe, hein, on s'en fout de ce qu'il a fait l'autre. C'était juste un prétexte pour assassiner les trois autres mannequins? Ben, mon dieu. C'était utile. Oh, Makesi. Bon. On va arrêter de râler, hein. Enfin, je dis ça, après, je râle encore plus, donc... Ta gueule! Je ne suis pas là! Allez, tombe! Merci, je te fouille. Non, mais tombe pas! Oh! Mark, où est-ce? Ah, tu es là-bas! Non! Tu fais chier! Ezio, tu fais chier! La volpe, la chasse au renard, trouvez volpe, le renard, près du mec, attends, la ligne tient dans son marquésie. Ok, où es-tu? Où es-tu? Ah, là-bas! C'est toi la volpe? Un, t'as l'air moche, et deux, t'as l'air moche. Quoi? Ma bourse, mon argent! Ton argent! Je ne l'ai pas, ton argent! Salaud! Reviens ici! Non, toi, viens! Tu crois courser, là? Sérieusement? Une grave erreur, mon ami. Je peux te tuer, hein! Bon, ça suffit! Si t'en as assez... Ta gueule, voilà. En fait, fallait le claquer. Comme au foutu, c'est bien. Je ne tiens vraiment pas à te faire du mal. Alors rends-moi mon argent et n'en parlons plus. Pas si vite. Ah, au revoir, B. Qui es-tu? On m'a affublé de tous les noms. Meurtrier, égorgeur, voleur. Mais ah, c'est Aladdin. Non, c'est pas ça. À votre service, Messer Ezio. Comment connais-tu mon nom? Rien de ce qui se passe dans cette ville ne m'échappe. T'as un nez très présent quand même, monsieur. Exact. Je recherche quelqu'un.
Bref, c'est pas grave. Je veux être informé de tous ses faits et gestes. Qui? Ta mère! Francesco de Pazzi. D'après la rumeur, une caravane en provenance de Rome vient tout juste d'arriver. Une rencontre secrète aura lieu ce soir à la tombée du jour. Si tu y es, ah ouais, mais en fait, c'est vraiment tout, en fait. Où est Francesco? Sais-tu où cette rencontre se tiendra? Bien sûr. Je te conduirai quand tu seras prêt. Fais-moi signe. Ah, oui. Voici ton argent. Merci, tu es sympathique. Ou presque. Ah, ça fait beaucoup d'argent. J'en ai perdu que 100, en fait. Hein. Ouh, je te rends ta monnaie. Où t'es où? Ah, bah non, c'est un mur. Lol. Bref, du coup, bah, on a rencontré la Volpe, Macrissi. Donc on va s'arrêter là. Je sais pas du tout combien de temps j'en suis. J'ai envie de continuer, mais en même temps, ça fera un peu long, je pense. C'est très dommage. On va juste aller voir là-bas. Juste aller voir là-haut, la tour. Parce que j'aime bien aller voir les tours. Ouais, parce que j'aime bien la vision de l'aigle aussi sur place. Voilà, les visions de l'aigle. Et du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Si c'est la Panthéorie, donc à la semaine prochaine. Alors, t'es commencé à jouer vraiment, hein. Parce que bon, un tuto et tout ça, mais. S'en fout. Et donc, à la semaine prochaine. Wouhou!